Visitons avec Pauline l'intégrale des 6 suites pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach. On joue des extraits choisis, soit joués littéralement par Pauline ou par moi, soit détournés en allant sur d'autres terrains que celui pour lesquels ces suites ont été écrites. C'est vraiment d'univers très éloigné et en même temps on a vraiment envie de partager tous les deux. Donc au début, l'équation était un peu délicate quand même. On s'est penché sur cette partition. C'est évidemment quelque chose qui est inscrit en nous, les violoncellistes, de jouer ce texte. Ce qui est moins évident, c'est d'oser le remanier, y retoucher. Avec le temps, avec le partage de la scène aussi, une complicité se crée entre nous et aussi autour du texte. Finalement, on arrive à une forme de suite différente. Mais toujours autour de ce texte et toujours dans l'idée que finalement, notre socle commun a... Tous les musiciens, ça remonte à Jean-Sébastien Bach. On garde un caractère assez intime dans ce duo. Certaines pièces sont mises en regard de nos pratiques respectives. Il peut y avoir une pièce écrite que je jouerai, ou qu'elle jouerait, et une pièce ouverte qu'elle jouerait ou que je jouerais. On explore un peu ces différentes combinaisons, une possibilité d'avoir le violoncelle seul, une possibilité d'avoir le saxophone seul, et une possibilité ensuite d'avoir un duo qui puisse être soit écrit, soit improvisé. De faire ce projet ensemble, on a voulu à la fois servir ce texte et cette écriture qui est magnifique et aussi les transgresser. Alors les transgresser, c'est inventer des voix, c'est inventer des basses, c'est proposer d'autres regards plus contemporains et des détournements de percussions. J'ai plusieurs pistes, moi personnellement, la violoncelliste. Je peux décider de plus du tout interpréter cette musique comme je pense qu'elle doit l'être. En me disant, je casse mes codes, je prends juste du plaisir avec le texte tel qu'il me vient, dans l'idée de l'improvisation. Et par ce biais-là, finalement, je retouche un des univers de Jean-Charles qui est improvisateur, et moi pas. Les codes du jazz n'y sont pas. On est assez proche du texte en ayant quelques ouvertures à l'improvisation, disons. Sur presque toutes les suites. On a de quoi, selon l'envie, selon le contexte du concert, faire une suite parmi une autre avec ça, tout en rajoutant de l'improvisation.